Caroline Receveur. Lassée par sa carrière d'influenceuse, elle prend une grande décision. Maman et femme d'affaires accomplie, Caroline Receveur mène une vie à 100 à l'heure, si bien qu'elle a décidé de prendre un peu de recul. Mais ce tableau idyllique cache aussi quelques périodes difficiles pour la maman qui est régulièrement en proie à des crises d'angoisse, comme elle l'avait déjà exprimé sur Instagram en janvier dernier. Je ne suis pas trop présente ces derniers jours parce que je fais face à des petites crises d'anxiété, et j'ai du mal à faire comme si de rien n'était quand ça arrive. J'ai le cerveau qui bouillonne en permanence pour essayer de comprendre, améliorer, de gérer et trouver des solutions parce que je déteste subir quand ça m'envahit. Des épisodes d'anxiété qui ternissent quelque peu le quotidien de l'ex-candidate de Secret Story. J'ai décidé de me séparer de l'intégralité de mes marques. Et Caroline Receveur semble avoir besoin de prendre un peu de recul dans sa vie. Ce samedi 8 avril, sur Instagram, celle qui avait été la première femme à faire la couverture du magazine Forbes en 2019, a fait part d'une grande décision professionnelle à ses abonnés. Dans un très long message, elle a expliqué « J'ai décidé de me séparer de l'intégralité de mes marques. Ces décisions n'ont pas été évidentes, mais la page que je tourne aujourd'hui est celle de la liberté. » Lassée d'un process de rentabilité, de production et de visibilité, Caroline Receveur a souhaité se défaire d'une course sans fin après 15 ans d'entrepreneuriat et s'éloigner des codes du digital. Fière de son parcours, la jeune femme a également expliqué avoir atteint à 35 ans son goal de vie grâce à la naissance de son fils et son mariage avec Hugo Philippe. Une vie de famille paisible dont elle veut profiter à fond.